Le faisan est un oiseau de grande taille appartenant à la famille des Phasianidés. Il existe de nombreuses espèces de faisans, mais je vais vous donner une description générale qui s'applique à plusieurs d'entre elles. Le faisan a un corps relativement grand et robuste, avec une longueur allant de 60 à 130 cm, en fonction de l'espèce. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Le plumage des faisans est souvent remarquablement coloré et complexe. La coloration du faisan varie considérablement selon les espèces, mais en général, les mâles ont des couleurs plus vives et plus variées que les femelles. Ils arborent souvent des plumes chatoyantes dans des tons de vert, de rouge, de bleu, de doré et de cuivre. Certains faisans mâles ont également des plumes allongées ou des queues extravagantes qui sont utilisées dans les défilés nuptials pour attirer l'attention des femelles. Les femelles, en revanche, ont généralement un plumage plus discret et camouflé, qui les aide à se fondre dans leur environnement pour la protection de leur progéniture. Le faisan a un bec court et robuste, généralement de couleur sombre. Ses pattes sont puissantes et adaptées à la marche et à la course terrestre. Certains faisans ont également la capacité de voler sur de courtes distances, bien que cela varie selon les espèces. Ces oiseaux se trouvent dans une grande variété d'habitats, des forêts aux prairies, en passant par les zones de broussailles et les régions montagneuses. Ils se nourrissent principalement de graines, de fruits, d'insectes et d'autres petits animaux. Les faisans sont appréciés pour leur beauté et sont souvent élevés et chassés pour le sport. Leur chant, en particulier celui des mâles lorsqu'ils cherchent à attirer les femelles, est souvent fort et distinctif. Répartition géographique. Les faisans sont originaires d'Asie, mais ils ont été introduits dans de nombreuses régions du monde pour la chasse et l'élevage. Ils sont présents dans divers habitats, allant des forêts denses aux prairies ouvertes, en passant par les régions montagneuses et les broussailles. Comportement, les faisans sont généralement des oiseaux diurnes, actifs pendant la journée. Ils sont omnivores et se nourrissent d'une variété de plantes, de graines, de fruits, d'insectes et de petits animaux. Les faisans sont souvent grégaires, se regroupant en petits groupes ou en bandes familiales. Pendant la saison de reproduction, les mâles émettent des appels sonores et effectuent des défilés nuptials spectaculaires pour attirer les femelles. Parade nuptiale. Les défilés nuptiales des faisans sont impressionnantes.
Les mâles déploient leurs plumes colorées et ornementales, relèvent leurs files d'attente en éventail et exécutent des danses complexes pour séduire les femelles. Ils peuvent également émettre des vocalisations distinctives pour attirer l'attention. Les défilés nuptials sont souvent accompagnés de mouvements de tête, de sauts, de battements d'ailes et de marches majestueuses. Dimorphisme sexuel. Les faisans présentent un dimorphisme sexuel prononcé, ce qui signifie que les mâles et les femelles ont des apparences différentes. Les mâles sont généralement plus grands et plus colorés que les femelles, avec des plumes plus brillantes et des ornements tels que des crêtes, des barbillons ou des plumes allongées. Les femelles ont un plumage plus discret et camouflé, ce qui les aide à se fondre dans leur environnement lorsqu'elles couvent leurs œufs. Chasse et élevage. Les faisans sont appréciés par les chasseurs pour leur beauté et leur comportement de vol lorsqu'ils sont dérangés. Ils sont également élevés dans de nombreux pays pour la chasse sportive. Les faisans d'élevage sont souvent relâchés dans la nature avant la saison de chasse. Espèces populaires. Parmi les espèces de faisans les plus populaires, on trouve le faisan commun, Phasianus colchicu, le faisan vénéré, Cyrmaticus revesi, le faisan argenté, le Lophura nyctemra, et le faisan doré, Chrysolophus pictus. Chacune de ces espèces présente des caractéristiques spécifiques et des variations de plumage. Les faisans sont des oiseaux fascinants, à la fois pour leur apparence spectaculaire et pour leur comportement lors des défilés nuptials. Leur présence colorée et leur comportement distinctif en font des animaux appréciés tant dans la nature que dans les activités de chasse et d'élevage. Alimentation des faisans. Les faisans sont des oiseaux omnivores et leur alimentation varie en fonction de leur habitat et de la disponibilité des ressources alimentaires. Leur régime alimentaire se compose généralement de graines, de fruits, d'insectes, de vers, de petits reptiles et d'autres petits animaux. Dans les zones forestières, les faisans se nourrissent principalement de graines, de fruits tombés et d'insectes trouvés au sol. Ils peuvent également gratter le sol à la recherche de bulbes, de racines et de tubercules. Pendant la saison estivale, les faisans se nourrissent souvent d'insectes, de larves et d'araignées pour répondre aux besoins en protéines de leurs petits et des adultes en période de mue. Reproduction des faisans. La période de reproduction des faisans varie selon les espèces et les régions, mais elle a généralement lieu au printemps ou en été. Les mâles déploient leurs plumes colorées et effectuent des défilés nuptials pour attirer les femelles. Lors de ces défilés, les mâles exhibent leur plumage éclatant,
relèvent leur file d'attente en éventail et effectuent des danses complexes accompagnées de vocalisations spécifiques pour séduire les femelles. Une fois qu'un mâle réussit à attirer une femelle, ils se reproduisent généralement dans un nid situé au sol, dissimulé dans la végétation dense. Les femelles pondent habituellement une dizaine d'œufs, parfois plus, sur une période de plusieurs jours. Les œufs sont d'une couleur terne et sont souvent camouflés pour se fondre dans l'environnement. La femelle incube seule les œufs pendant environ 3 à 4 semaines, pendant lesquelles elle les protège et les maintient au chaud en les couvrant de ses panaches. Après l'éclosion, les poussins sont nidifuges, ce qui signifie qu'ils sont déjà recouverts de couettes et capables de se déplacer peu de temps après leur naissance. Les jeunes faisans sont nourris principalement par leur mère pendant les premières semaines, se nourrissant d'insectes et d'autres petits organismes trouvés au sol. Ils grandissent rapidement et acquièrent rapidement leur plumage adulte. Il est important de noter que les détails de l'alimentation et de la reproduction des faisans peuvent varier selon les espèces et les régions. Les informations fournies ici donnent une vue d'ensemble générale de ces aspects pour les faisans en général.